Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits, et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle semaine. Nous sommes lundi 23 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un joli week-end. On continue avec l'archange Métatron et on terminera avec les énergies de guérison. Mais avant toute chose, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort, eh bien c'est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, eh bien j'ai pigé reconnaître son âme. Vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme. Eh bien, peut-être certains d'entre vous, vous êtes dans un tournant important de votre vie. Et pourtant, eh bien, vous perdez un peu les pédales. Vous ne savez plus quoi faire ni où aller. Vous avez besoin d'aide, eh bien, pour poursuivre votre route. Un peu comme si vous aviez perdu, eh bien, vos repères. Est-ce que c'est le cas? C'est que vous ignorez qui vous êtes réellement. Vous devez retourner à la source afin de connaître votre âme, de retrouver eh bien, votre identité et ainsi poursuivre votre chemin. Vous avez perdu peut-être certains d'entre vous votre identité peut-être par votre conjoint, par votre époux, par votre épouse, peut-être par vos parents aussi, peut-être par des amis. On a l'impression que vous stagnez et que vous tournez en rond, que vous piétinez, à la limite en oubliant les vraies raisons de votre incarnation terrestre. Vous êtes distrait. Vous êtes distrait par les choses matérielles, par votre travail qui prend toute la place, par les autres, et vous comblez leurs besoins au lieu de combler les vôtres. Alors, pour reconnaître votre âme, vous devez harmoniser l'ensemble de vos 7 principaux chakras. Les repositionner dans une ligne bien droite. Vous enraciner et retrouver foi en vous. Et pour le moment, eh bien pour certains d'entre vous, tout semble noir. Et pourtant, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a une petite lumière qui brille en vous et qui est si forte que vous ne la voyez pas. Respirez doucement, reliez-vous au divin et vous le verrez apparaître. Pour certains d'entre vous, il faudrait peut-être modifier votre travail parce que vous ne vous sentez plus à votre place. Réfléchissez-y. En fait, c'est faire le ménage un petit peu autour de vous. Vous savez, le nettoyage du printemps. Faites de la place pour du renouveau. Il se pourrait que cette journée, eh bien, vous rencontriez une âme sœur. Regardez autour de vous. Allez, maintenant, énergie de guérison, le choix. Ben oui, le choix. Je choisis de vivre dans la sérénité, la lumière et de m'alimenter en énergie positive. Peu importe ce que je vis, je choisis d'être heureux, je m'élève au-dessus de la peur et je dirige mes pensées vers notre Créateur. Super message pour commencer cette semaine et je terminerai. Eh bien, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Vous savez, depuis le temps que je le dis, tout passe par la pensée. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse, prenez soin de vous, à demain.